en attaque, on ne se pose pas de questions, on joue notre jeu. Mais c'est surtout la défense, quoi. Il faut que se défendre. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Je suis content d'avoir gagné à Boulazac. Quand Boulazac revient à 3 points, vous avez eu peur ? Non, pas du tout, parce que c'est un match. On sait que Boulazac, chez eux, sont très très forts avec les 3 points. Et ils aiment bien que la salle soit en feu, c'est ce qui s'est passé, mais il ne faut pas paniquer, il faut jouer notre jeu, continuer à défendre, c'est ce qui s'est passé au quatrième quart-temps. C'est dommage de pas la prendre ce soir. Comme tu dis, on fait une première mi-temps en dents de scie. On a commencé avec de l'intensité, chacun prenait l'avantage, fini à 22-21. Et puis après, le deuxième quart, on prend un écart sur des tirs à 3 points de joueurs dont on savait qu'il fallait absolument leur faire poser la balle au sol. Parce que c'est là où ils sont moins confort. Après, on gagne le troisième, on revient avec de l'énergie, de la défense surtout. Mais défensivement, la première mi-temps, elle est pas bonne parce qu'on encaisse 46 points à la maison. C'est pas possible de gagner des matchs sur une base comme ça. Voilà, encore une fois, on a montré du caractère. On est revenu de nombreuses fois, moins 5, moins 4, moins 2. On n'a pas réussi à mettre le coup de rein pour passer devant et prendre la main sur le match. Donc, bravo à Orléans, mais quand même de la déception ce soir parce que il y avait la place pour le prendre quand même, je pense. Le résumé, c'est un peu si près si loin, parce que on a, je trouve, donné le bâton pour se faire battre et on a tendu l'autre joue derrière. Donc c'est sans faire offense à ce qu'a fait Orléans, ils ont fait un très bon match, ils ont fait ce qu'il fallait, évidemment. Ils ont été très bons. Mais nous, on n'a pas su être assez rigoureux et disciplinés pour pas leur donner en plus des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Ils sont déjà très forts. Et donc, ils n'ont pas besoin de que nous, on leur donne en plus des petites chances en plus, des petits ballons perdus, des petits tirs ouverts. Mais à cause de nous et de notre discipline, et je crois que c'est un peu l'histoire de notre équipe sur cette année, dès qu'on est dans un jeu rigoureux et discipliné, comme ça a pu être à Alsace, mais dans d'autres endroits aussi, eh ben, on se donne plus de chances, on se protège nous-mêmes.